Va leur poser la question, tout en sachant que le Seigneur savait tout. Amen. Mais c'est simplement pour amener l'homme à se confesser, à se repentir. Amen. Comme quand tu pèches, tu penses que le Seigneur ne le voit pas, mais il le sait quand tu pèches. Amen. Et il se permet de venir vers toi par différents moyens, par un frère, une sœur, de t'interpeller. Amen. De dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, Yahweh Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Parce que une des choses que nous devons savoir, c'est que quand quelqu'un pêche, quand quelqu'un est dans le péché, il s'éloigne automatiquement de la présence de Dieu. Amen. Ça, c'est l'état du péché. Quand quelqu'un pêche, vous allez le voir, hein, automatiquement la personne va trouver des raisons, des excuses pour s'éloigner de la présence de Dieu. Parce qu'elle connaît son état. Amen. Et on garde ce passage, je lis rapidement un passage dans Jean chapitre 3. Nous restons dans ce passage. Hein. Mais c'est pour continuer Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3, on nous explique l'attitude des personnes qui pêchent. Amen. Jean chapitre 3. Voilà, à partir du verset 20, on y est ? Jean, chapitre 3, verset 20. « Car quiconque fait le mal est quoi ? Et ne vient pas à de peur. » Amen. De peur quoi ? Ou dévoilé. Amen. Condamné ou dévoilé aussi. Hein ? Mais celui qui agit selon la vérité, vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites selon Dieu. Amen. Donc, ça c'est le discernement que peut nous aider à comprendre. Vous voyez, quand quelqu'un pêche naturellement, hein, il va chercher un endroit où se cacher, il fuit la présence de Dieu. Amen.
Parce qu'il sait que s'il vient dans la présence de Dieu, ses œuvres seront dévoilées. Amen. Parce que Dieu est lumière. Alléluia. Et la lumière nous montre ce qui se passe dans les ténèbres. Alléluia. Mettez la lumière dans une pièce qui est sombre. Hein, s'il y avait peut-être des cafards qui étaient à l'intérieur, mettez la lumière, vous allez voir, les cafards vont commencer à partir. Amen. Donc la lumière te permet de voir ce qu'il y a dans cette pièce. Amen. Et donc voilà, la lumière expose les œuvres de ceux qui sont dans le péché. C'est pour ça que vous voyez, il y a des personnes qui ont une certaine attitude. C'est le discernement. Amen. Et nous continuons donc, ils se sont éloignés de la présence de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Mais Yahweh Dieu les appela, Yahweh Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Parce qu'il s'était éloigné. Verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu, parce que je suis, vous voyez, un état que l'homme n'avait pas, c'est-à-dire la peur. Frère, au commencement tu n'avais pas peur, je te le dis si tu ne le savais pas. Au commencement, quand Dieu t'a créé, tu n'avais pas peur. Mais c'est l'état du péché qui nous a communiqué ce sentiment-là de la peur. Amen. Et parce que je suis nu, parce que je suis dans le péché, donc j'ai peur. Alléluia. Voilà l'homme. Quand il pêche, voilà son état. Il a peur. Amen. Et ce qui va nous intéresser, c'est la question que le Seigneur va poser au verset 11. Alléluia. Et Dieu dit, qui t'a appris que tu es? On va répéter ensemble. Qui t'a appris que tu es? Frère et sœur, j'aime beaucoup ce passage. Quand le Seigneur m'a posé cette question, ça me fait penser parce que Dieu me fait grâce. Aujourd'hui, j'ai un enfant. Et dans l'éducation de l'enfant, on lui apprend les choses. Amen. Donc, quand tu as un enfant, tu l'enseignes. Tu l'éduques. Tu vas lui donner une voie qu'il doit suivre plus tard. Amen. Comme la Bible nous demande de le faire. Donc, tu vas l'éduquer. Amen. Donc, si tu éduques ton enfant à la maison et que tu ne lui apprends pas les grossièretés, quand il sort dehors et quand il revient à la maison et qu'il commence à utiliser les grossièretés, qu'est-ce que tu vas dire? Qui t'a appris? Est-ce que quelqu'un a compris? Hein? Vous êtes sûr? On a tous compris? Voilà. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'avait pas appris à Adam et Ève la nudité. Non. La Bible nous dit, juste avant, qu'ils étaient nus et ils n'avaient point. Vous voyez? C'est-à-dire, dans le Seigneur nous apprend des choses. Amen. Il nous apprend la sainteté. Donc la même question, qui t'a appris à pécher? Qui t'a appris à aller vers des hommes avant le mariage? Qui t'a appris qu'il fallait goûter avant le mariage? Qui t'a appris cela si ce n'est pas le monde? Hein? Est-ce que Dieu t'a appris cela? Qui t'a appris qu'un homme devait aller vers un homme? Ce n'est pas écrit dans la parole. Alléluia. Dieu ne nous a pas appris cela. Qui t'a appris que les dents de Dieu devaient se vendre? Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Amen. Qui t'a appris cela? D'où as-tu reçu ces enseignements? Alléluia. Voyez un peu? Le Seigneur nous enseigne sa parole. Mais quand nous nous éloignons de la parole de Dieu, nous apprenons autre chose. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient d'où? Est-ce que ça vient du monde? Alors qui t'a appris à aimer la mode du monde? Ah oui, dans le monde, il faut s'habiller comme ça. Il faut parler wesh wesh. Donc toi aussi, tu parles wesh wesh. Oh yoga, yoga, yoga. Mais est-ce que Dieu t'a appris à parler ainsi? Amen. Parce que dans le Seigneur, il y a aussi un langage. Alléluia. Donc, tu peux poser à ton ami qui est à côté de toi, qui t'a appris ça? Alléluia. Qui t'a appris à être comme ça? Mon frère, ma soeur, qui t'a appris que pour être belle, il fallait être bourré de maquillage? Bah oui, frère, il faut être vrai. Est-ce que Dieu t'a appris cela quand il t'a créé? Quand il t'a créé, il t'a dit quoi? Que tu es une belle créature. Alléluia! Qui t'a appris? Je peux même te poser la question. Qui t'a appris que tu étais moche? Hein? C'est dans le monde que tu as découvert que tu étais moche. Qu'on t'a appris que tu étais moche. Mais le Seigneur, est-ce qu'il t'a déjà dit ça? Il t'a jamais utilisé ces mots. Voyez un peu.
Ce que le monde nous apprend et ce que Dieu nous apprend, frère. C'est pour ça que quand tu sors de la présence de Dieu, quand tu sors de sa parole, le monde t'éduque aussi autrement. D'où l'importance de veiller sur nos enfants, frère. C'est pour ça que Dieu veille sur toi. Il veut que tu puisses connaître sa parole. Parce qu'en connaissant sa parole, tu vas arrêter de pécher, frère. Parce que nos oreilles sont pointées ailleurs. Au lieu d'écouter Dieu, nous écoutons les hommes. Oh oui, ce sera impossible. Tu ne pourras jamais être guéri. Mais qui t'a dit cela? Est-ce que Dieu t'a dit que tu ne pourras pas être guéri? Qui? Qui t'a appris cela? Qui t'a appris que la maladie que tu as là, elle ne peut pas partir? Qui? Frère, Dieu n'a jamais dit cela. Amen. Qui t'a dit que tu es stérile? Qui? Si c'est ton médecin. Hein? Ton médecin t'a dit que tu étais stérile? Mais est-ce que Dieu a dit que tu étais stérile? Alors pourquoi doutes-tu encore de ce que Dieu est capable de faire pour toi? Pourquoi as-tu peur? Qui t'a appris toutes ces choses? Qui t'a appris la maladie? Qui t'a dit que tu allais mourir sans me servir? Qui t'a appris ça? Dieu ne te l'a jamais appris. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur était étonné. En voyant sa créature, en voyant Adam et Ève, qui avait créé, à qui il a donné des enseignements. Il a dit, mais qui vous a appris votre nudité? Qui vous a appris à pécher? Qui vous a appris à me désobéir? Qui vous a appris à pécher, venir dans ma présence? Qui vous a appris cela? Qui vous a appris à vous habituer à ma présence? Qui? Frère, quand on aime Dieu, on est assis, comme Marie, aux genoux du Seigneur, pour apprendre de lui, afin de bien vivre dans ce monde, frère. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a des familles qui sont cassées. C'est pour ça qu'il y a des couples qui sont cassés. Pourquoi? Parce que les conseils que tu reçois ne sont pas des conseils de Dieu. Oh oui, je vais écouter tel ami. Oh, je vais écouter telle personne. Il va me donner des bons conseils. Mais est-ce que tu es déjà parti voir Dieu pour qu'il te donne les conseils par excellence? Il est le conseiller, la Bible dit. Est-ce que tu vas le conseiller de temps en temps? Ah non, tu as peut-être ton conseiller quelque part. Parce que Dieu veut nous apprendre la vie sur terre. Oui, frère, il a dit, vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. Donc vous ne devez pas vivre comme le monde. Vous ne devez pas aimer le monde. Frère, il y a le langage que le monde nous apprend et le langage de Dieu. Il y a la vie de sainteté et la vie de péché, frère. Il y a des personnes qui sont là, qui sont dans le péché, frère. Et qui se présentent comme saints. Frère, mais Dieu te voit. Dieu te voit, on ne blague pas avec Dieu. Continue à jouer ainsi et le jugement de Dieu peut tomber sur toi. On ne blague pas avec Dieu, la Bible dit. Dieu n'est pas un jeu que tu joues et après tu arrêtes. Non, il est créateur, celui qui a tout fait, celui qui a créé les êtres qui sont à côté de toi, celui qui a créé le monde que tu regardes par tes yeux, celui qui a créé même ses yeux par lesquels tu peux voir les choses. Frère, et on veut blaguer avec Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, la prochaine fois, cherche à voir avec tes amis et pose-leur la question. Qui t'a appris à faire ces choses? Amen. Que Dieu soit bien.